C'est compliqué ça aussi. No. Faites des pièges. No. No. Ah d'accord. Votre métier en trois mots, ne jamais abandonner. Accompagner et soutenir. Motiver. Partage. Trois atouts de M2A pour se préparer aux JO. Des équipements communautaires de qualité, le centre sportif régional d'Alsace. Cryothérapie, bain froid, il y a d'autres kinés encore qui sont à ma disposition. Votre plus beau souvenir sportif. Au championnat d'Europe moins de 17, on gagne d'un but sur presque le buzzer. Avec les Bleus, ça a été vraiment un beau souvenir pour moi, hyper émouvant. Votre plus belle performance, ce sera un champion du monde et finaliste au champion du monde. Top 8 mondial avec l'équipe de France féminine cette année. Combien de victoires à votre actif? 8 titres de champion de France. Allez, 5, je dirais 5. Ski ou kayak? Les deux. Je fais du ski de fond l'hiver. Quand on reverrai-je, pays merveilleux! Un mot sur les équipements du territoire. On peut accueillir donc 35 disciplines sur 17 sites. On est le deuxième CPJ en France. On a une salle de muscu qui est très bien équipée aussi. On en a même deux qui nous permettent de bien nous entraîner. Un porte-bonheur. J'ai des chaussettes avec des koalas qui me portent un peu chance. Le ciel sera ma limite, j'essaie de me le répéter et on va dire que c'est ça mon porte-bonheur. Comme dirait Coluche, je suis pas superstitieux, ça porte malheur. Une astuce anti-stress, passer du temps en famille. La méditation, j'en fais beaucoup. Promener avec mon chien toute la journée. J'écoute beaucoup de musique. Jumelage PSO, KESACO, Panam Sport Organization, le rassemblement de 38 pays d'Amérique. Entre 500 et 600 personnes. Pour leur permettre de se préparer au jeu. Et on a la chance de pouvoir les accueillir en juillet 2024. Avant d'aller sur Paris pour participer aux épreuves. Votre péché mignon. Ah, on va dire c'est les barbecues avec les amis. Les glaces Ben & Jerry's. Votre prochain défi à relever. Gagner le championnat. Hein. Être champion de France avec l'équipe fille de Mulhouse. Accompagner le mieux possible pour qu'il y ait un maximum de sportifs de l'agglomération qui se sélectionnent pour les Jeux Olympiques.